Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange 88 et je vous retrouve pour le deuxième épisode sur l'heure de la vengeance. Pourquoi chercher ma... Alors, il me faut encore du feu. Du feu! Et qu'il y a du feu! Allez, on prend l'option de facilité. On est reparti pour une demi-heure d'attente. Ah, pardon, j'ai rien dit. Les croyances de Veritas des Flammes. Mais si nous voit ce qu'il va nous apprendre plutôt. Voilà, et c'est là, on a une demi-heure. Non, c'est pas vrai, je rigole. Oh, il a l'air d'être plus rapide là. Voilà, qu'est-ce qu'il a pris, mais. Ce n'est pas pour me déplaire en tout cas. Oh, j'ai mauvaise langue, à peine une minute. L'observer comme ça me replonge vraiment dans mes Ça va? Tu prends bien ton temps à la forge pour changer? La bataille finale approche à grands pas et ça n'a pas l'air de te préoccuper. N'ai pas envie de me retrouver avec une vieille épée fragile au milieu d'une bataille décisive. Pense que ça va plus loin que ça. Regarde, tu as même conçu de nouvelles armes. Tu as du temps à perdre à aiguiser des épées sans intérêt. Pourquoi ne pas aiguiser un peu plus tes techniques de combat à la place? Aiguiser mes épées revient à aiguiser mes combats. C'est la même chose. Confie ta vie à ton épée. Connaître chaque détail de sa création. Chaque mouvement qu'elle peut réaliser. C'est tout un savoir que j'utilise à mon avantage. Non, ça ne me parle pas. La meilleure satisfaction d'un vrai guerrier se ressent durant le combat lui-même. C'est pas grave si ça ne te parle pas. À chacun sa propre façon de voir les choses. Allez, allez, là, 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 là. On s'en fout, l'appli, et tu me fermes pas le jeu, donc ça sert à rien que tu t'affiches. On kikine plus qu'autre chose à afficher le message. En fait, par rapport aux crises, ils sont peut-être en train de chercher le bon dosage à faire. Des gangs hors pendant les combats. La première fois c'était aucun gang à part tout à la fin je crois et encore. Le précédent avec donc la promesse au-delà du temps où on a vu Lunera, Bran et Ruggles.
Et ah oui, et ah, comment elle s'appelle déjà? Hier, Elena, voilà. Voilà, pendant leur événement d'histoire, il y en avait un mini-boss, on va dire, dans la troisième, au dernier combat de la troisième zone de combat. Et on gagnait du coup des cristes de manière plus ou moins importante. Et puis là, ben, ils nous en font gagner un petit peu à chaque combat. Elle est là. Ah oui, c'est vrai qu'en plus du coup, il n'aura pas la sienne de lui. C'est vrai, il faut pas que j'oublie cette taille. Émeraude. Sacré cœur là. Ouais, mais ouais, en même temps, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide que les autres. C'est assez bizarre. Bon, j'ai toujours pas fait mon fail. Là que je vais lui faire. Le bouton sur lequel j'appuie et qu'en bas. Bon, tout le monde à la limite. Je pense que ça devrait passer. Dit je pense. Bon, entre penser et voir ce qu'est la réalité, on peut dire il est là de temps à autre des différences tout de même. Super Christ, ça c'est cool. À moi les upgrades de compétences. Oui, mais je m'en fous pas d'ailleurs. Lacracidae. Allez, le boboss, le boboss, le boboss. Et bien là que je t'assassine. Ah, pardon. J'en ai encore un autre à me proposer de mon travail. C'est pas grave, hein. Je suis pas à sa prière. Hein. On va voir le monsieur principal. Mille. Oh là là. Et du méga Christ technique. Ça paraît absurde, mais peu d'action, ça me fait dormir, je sais pas pourquoi.
De plus, c'est important pour moi d'avoir un ami qui me fait assez confiance. Et son effet à quelqu'un d'autre, comme lui confier sa vie. N'y a pas de preuve de confiance grande au monde. Pour ça que tu t'occupes des épées de tout le monde. Celle de Veritas des Ténèbres, mais aussi celle des autres. Les armes nous unissent. Toutes sont forgées dans les mêmes flammes. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux aussi que je jette un coup d'œil à ton épée? Pas maintenant. Je vais utiliser le temps qu'il me reste pour travailler ma technique. La bataille finale. J'espère au moins qu'elle sera divertissante. Hop là, fin du flashback. Le type ne change vraiment pas, peu importe le nombre de siècles écoulés. Toi, est-ce que t'as réellement changé avec les siècles aussi? J'ai envie de dire que la réponse est non. T'as pas l'air d'être changé. Alors dès que t'as appris retour, enfin, dès que t'as senti le retour de la fine obscure, c'est oh mon Dieu, vite! Il faut que j'aille combattre de nouveau contre elle. Eh, petit cachotier, ouais, fais pas genre, hein, on te connaît. Oh, level up! Ah, ça fait plaisir, autant de points de partage. Ah, j'ai gagné l'Organix, génial. Et d'ombre de ténèbres. Oui, entre les différents jeux, que ce soit de côté c'est ombre, de ténèbres, de autre chose. Alors ténèbres, ça c'est bon. Et rend en 5 tours max. Oh bah quand même se prendre une petite assurance, hein, mais vraiment une petite. Voilà. Voilà une petite assurance. L'homme qu'on appelait Veritas des Ténèbres. Eh bien, les monstres d'ici sont beaucoup plus faibles qu'avant. T'as raison. Aucun challenge à relever. Enfin, tous ceux dignes d'un vrai challenge se battent généralement à nos côtés. Ah, le monde est drôlement fait. J'en ai dans la tour de Missidia, si je dis pas de bêtises. Alors, il était comment? Veritas des Ténèbres quand tu l'as vu? Oh, tu sais, toujours fidèle à lui-même. Même pour ça que c'est lui qui dirige les opérations. Et ça, tu le sais déjà. C'est vrai, c'était une question bête. Vous avez toujours été liés l'un à l'autre, pas vrai? Comme la fois où tu t'es précipité par mes ennemis. J'ai pas envie d'en parler. T'as obtenu ce que tu voulais. Je pense que ça suffit. Et ta fierté ne t'a pas quitté non plus. Je pense que sa fierté en tant que guerrier est la seule chose à laquelle il s'est accroché pendant toutes ces nombreuses. Oh punaise. Les terres sont liées aux ténèbres.
Pourquoi ça fait ce genre de choses? À one shot les à faire du one turn kill au TK, comment on appelle ça? Bon, non, c'est pas grave, pas à ça près. Au 5. Ah, les ténèbres, les dégâts de ténèbres. Bon, ça va être à toi de jouer. Bon, pas là parce que ça sert à rien. On a qu'un ennemi. Bon, là non plus, on en a que deux. Là, ça servait pas à grand chose non plus, mais il va même finaliser ces dégâts de ténèbres. Ah. Alchemist gardien. Non, curatif et blanc. Ouf! Ah, au niveau 10. Même, hein. Bon, vu où j'en suis. Oui, mais... Ah, est-ce que chaque mission n'aurait pas son type de cristal obtenable? Il drop. Faudrait que je regarde ça de plus près. Au 30. Magie blanche. Magie blanche effectuée, nous pouvons reprendre le cours normal de notre journée. Ça serait plus logique. Vert et blanc. Il y a vert et il y a blanc. Il y a violet. Allez, Bobos, le Bobos, dragon de la mort. Je pense que les limites, je vais les garder pour le boss. Là, je lui balance tout dans la figure d'entrée de jeu et puis on n'en parle plus. Bien sur le principe. Hein.
Allez les rangs, allez les rangs, on y croit. On te veut. La femme. Et ben voilà. En 5 tours, c'est fait. Faire et technique. Non, curatif. Eh, j'ai pas encore totalement au point hein, avec avec toutes les couleurs. La discussion. La discussion. Rassemblement au complet. Ah. Ça veut dire vraiment ce que ça veut dire ou pas. Pour le bruit de percutage de micro, c'est pas volontaire. Très bien. Je vais juste utiliser le fourneau pour le reste. Ça fait des siècles que nous concevons ce plan. Il est parfait maintenant. Cette fois, on y... ça y est, on va le faire. Mais ça va changer. Sauf Veritas des Ténèbres, qui est plus ou moins resté le même. Il ne dévie jamais des objectifs qui se doivent. Vous aurez peut-être tenté de faire la même chose. Ou pas. Non. Il faut simplement que j'arrête de penser à des choses inutiles, c'est tout. Je vais aiguiser ma lame et m'apprêter à affronter ce qui se présente devant moi. Ouais, allez. Donc j'en ai eu des objets différents ici. La malveillance de Veritas des Terres. Ah bon? Il y a de feu, d'accord. Ah, feu et lumière. Un XS. Pas d'XS. Comment je fais? Il faut feu, lumière. Ça va être le feu. Oui, mais. Ah, mais. Ah, t'as l'air. Oh, ben voilà. Ma sauveuse. Ira en transe. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Patate crue, bien sûr. Le passé de Veritas des Terres. Ah, j'adore cette rapidité. Maudit Veritas des Flammes. Pourquoi a-t-il fallu qu'il nous rappelle des souvenirs si désagréables? J'avais vraiment besoin de venir en renfort. J'aurais très bien pu m'en sortir tout seul. Ils avaient presque tous encerclé. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire?
Je me serais frayé un chemin en les combattant tous, un par un. Et t'en es pas capable, regarde bien. C'est comme ça qu'on se débrouille. Je le haïssais. Il me tapait sur les nerfs avec ses grands idéaux nobles. Mais bon, il était fort. Même si ça n'a plus d'importance. Ne me reste plus rien. Pas même un ennemi digne de nom. Comme si un monstre pouvait comprendre ça. Dégage! Quand même assez conceptuel le. L'ennemi qui pense se battre sort son gros bouclier en mode vous ne passerez pas mon bouclier. Qu'est-ce qu'on va prendre de plus sur le passé de Veritas Dether? C'est une bonne question. Comment c'est possible que ça fasse moins de dégâts alors que je fais exactement la même chose? Ah, à moins qu'il y ait un coup critique de l'autre côté. Ça peut expliquer les choses. Casse enragée. Dégâts de feu. Ah, voilà. Au Terra Trans va sortir. Wow, on y croit. Allez. Voilà, du temps pour rien, il faut avancer. Mécontentement grandissant. Une limite, pas trop. Donc à partir du prochain épisode, à mon avis, il va falloir que je sorte la grosse team. Ça commençait à sentir un peu le roussi. Ah oui, peut-être que je pense. C'est pas faux. Tiens, du. Gardien, non? Non, du technique. Bon, j'en préférais l'inverse, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec.
et de lumière. Ah, ben voilà. Feu et lumière. Ben non. Elle, quoi. Ah, dodo. Merci pour le dodo. J'apprécie le geste. Allez, le dernier petit combat. L'œil de la femme serpent. Terrasser le dragon cadavérique avec de la... Eh bien, on va faire de la magie, c'est pas un problème. Allez, le petit combat de boss. Alors, le dragon cadavérique, qu'est-ce qu'il a comme stat? Ah, 47 000 points de vie, ça c'est cool. Bon, par contre, après... largement. Ah, et gardien. Et j'ai encore rien loupé. Bon bah ça sera pour l'épisode 3, le raté, vous inquiétez pas. Tout ira bien, je me rattraperai de mes non-boulettes. En fait, j'en ferai pas qu'une, mais j'en ferai genre 6-7 quoi. Oh ouais, je suis comme ça, 6-7. Les monstres ne sont que des brutes sans cervelle. Ce genre de combat ne m'apporte rien. J'ai tout perdu. Non, je n'ai pas tout perdu. Oh, on m'a tout volé. Cette haine qui m'ouvre. Je vais l'utiliser à mon avantage pour prendre ma revanche. Peut-être bien qu'il me reste maintenant. Même mes ennemis jurés ne sont plus là pour se battre contre moi. Ah bah quand même, le petit clin d'œil à Fina Obscur. Ça, c'est sympa. Et donc voilà! Terminares. Ah, ça c'est bien. Pas mal à faire.
Et donc voilà, c'est sur ce que je vous laisse. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de notre mission dans l'heure de la revanche avec des jours bien loin. On va se garder la surprise des objectifs pour l'épisode 3 justement. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.